Le peuple a reculé. Nous sommes abandonnés par ceux qui vivent en peur. Le peuple a refusé, mais nous lutterons pour ceux qui veulent un monde meilleur. Mais ne gaspillons pas la vie des mères et des pères de nos enfants. Souviens-toi. On a les armes et les munitions manquent. Les corps morts ne seront pas rares. Je trouverai des munitions en fouillant tous ces cadavres. Je ne peux t'y laisser car le risque est trop grand. Mais pour tous nos hommes, le même danger attend. Laissez-moi y aller, c'est seulement un gamin. Je suis vieux, je suis seul et je ne sers à rien. Il faut de la vitesse, c'est moi qu'il vous faut. Venez, Gavroche, devant moi. Gavroche, quelqu'un vite, retenez-le. Regardez, j'y suis presque. Je suis tombé par terre. C'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est là. Thank you.
Sur votre squelette, que votre volonté soit faite. Un oignon de gousset, hop, c'est confisqué. Ton horloge ne bat plus, mais t'attends quant à la vie dure. Son tic-tac lui continue. Il faut bien quelqu'un fasse leur toilette avant que les petits trésors disparaissent dans la boue. Il faut bien quelqu'un fasse la collecte. Qui refoule par les égouts. Enflammé de fureur cannibale, les mecs tuent pour un os dans la rue. Et Dieu au paradis nous regarde faire, parce qu'il est mort comme le zig à mes pieds. Je le viens chasse pour le chercher au ciel, meilleur que la lune qui passe, la seule lune qui grimace. Javert, tu n'as pas attendu longtemps. Fidèle serviteur, te l'endra son poste. Cet homme est innocent, il a besoin d'un docteur. Je t'ai prévenu, je ne céderai pas. Non, je t'arrête. Une petite heure, et je me rends. Je viens régler ma dette. Toujours les hors-la-loi.
qui parle de justice. Fils, son temps est compté, pitié, Javert. Vite pendant qu'il respire, pitié, Javert. C'est avant que je ne regrette, et surtout reviens, 24-600. Comment ai-je permis à cet homme de me souiller de sa bonté? Cet homme que j'ai suivi à la trace, je lui dois ma vie et ma liberté. Qu'il vienne du ciel ou de l'enfer, il ne sait pas qu'en me rendant ma vie ce soir, il s'est enfin vengé de moi. Est-ce qu'une âme se rachète? Est-ce qu'un homme peut changer? Peut-on laver ses crimes? Faut-il lui pardonner? Après toutes ces années, je laisse le doute ronger ma vie. J'étais de glace, je me vois fondre. Il n'est qu'une justice et je l'ai servi. Il vient du ciel ou de l'enfer, il ne sait pas. Mais il m'échappe, les étoiles rient dans le noir, elles se moquent de la victoire sur moi des forces du mal. Je préfère quitter ce monde qui tolère les gens valants. Toute ma vie fut une erreur, je la retourne. Encore, c'est pour une heure qu'ils ont changé.
ami, pardonnez-moi d'être là, de vivre encore. Il est des deuils que l'on garde quand tous les chagrins sont morts. Et je vois passer vos ombres, Monsieur, je ne peux pas usurper votre toit. Je suis ancien forçat et la dot de Cosette est un argent honnête. Cosette n'est pas ma fille, mais je l'ai recueillie comme j'en ai fait serment à sa mère dans le temps. Et je vous la rends. Je me tais, je me donne, et si je parle, je me condamne. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous me rendez fou. Dites-moi que je rêve et que ce n'est pas vous. Tout ceci est vrai, pourquoi me l'avouer? N'avoir pas gardé pour vous votre secret. Qu'est-ce qui vous a forcé à parler? Je ne suis
suis plus dénoncé, poursuivi ni mis en quarantaine. Sinon que par ma mémoire qui me parle passage à moi-même. Si je me tais, je me damne. Et si je parle, c'est moi qui me condamne. Vous, un forçat qui avez combattu près de moi. Pauvre Cosette, comment lui expliquer tout cela? Non, jurez-moi de ne jamais trahir mon secret. C'est bien juré. À présent, croyez-vous que je ne dois plus la revoir? Oui, monsieur, je crois que ce serait mieux. Adieu! Baron de Thénard souhaite leur vœu de bonheur aux jeunes mariés. Oui, monsieur, c'est ainsi. La misère nous tient à sa merci. Et d'ailleurs, notre bon cœur va pouvoir s'exercer tout à l'heure en sachant qu'un forçat vis à votre insu sous votre toit. Oui, je sais, mon beau-père a tué Madeleine et Javert. Non, monsieur, pas Javert. Ce journal vous prouvera le contraire. Et surtout pas Madeleine. Mon enquête m'a conduit jusqu'à Montreuil-sur-Mer. Et je sais bien ce que j'ai découvert. Vous vous trompez, mais pour me faire parler, il faut payer. 500 francs, vos billets. Je savais pas qu'ils s'en faisaient aussi grands. Jean Valjean, c'est Madeleine. Comme ce journal vous l'explique sans peine. Mais pourtant, ce coquin est un voleur et un assassin. Le 6 juin, les malins s'étaient tous réfugiés aux égouts. Un cadavre sur le dos, je l'ai vu qui cherchait la sortie. Par à deux, m'a-t-il dit, de l'argent qu'a sur elle ma victime. Et cette bague en prime. Ah, monsieur, quand vous voilà surpris. Mais monsieur, c'est affreux, quand c'est la famille qui vous trahit. C'était lui, suis-je bête? C'est un saint que j'ai cru malhonnête. Viens, Cosette, c'est la fête. Ton père est de retour à Paris. Thank you.
Allons, ma biche, remuez votre graisse, secouez vos miches, un peu d'allégresse. Vise-moi ce beau linge pour un casse-dalle, un duc, un prince et une grosse pédale. Paris qui froufroute, Paris qui gaspille, et moi as-tu à toi avec tout ce qui brille. Mendiant à la fête, maître de la danse, la vie est choucarde du bon côté de la chance. Tous ces que pays respectent la loi, oui mais la plupart sont au chiffon chez moi. Allez-y tous les dimanches, prions Dieu pour se moquer. Nous on a fait les poches, c'est bien plus partagé, c'est pas risqué. Cachez mes pigeons, pendant qu'on vous mate, nous on fait des plats pour vous casser les pattes. Maître du pays, à qui tout profite, le barricade plein noir et souci. On va où le vent nous mène, on flaire de l'argent. On se marie comme Crésus, mes frères, c'est un enfer qu'on vous attend. J'avais rêvé de ma grossette qui près de moi versait des larmes. Si vieux, si seul et si triste, je te demande, écoute-moi, prends ces enfants dans ton étreinte, mon Dieu, donne-leur Thank you.
mais je ne comprends pas. Allez-vous bien, on dit que vous mourrez. Cosette, ma fille, m'aurais-tu pardonné? Merci mon Dieu, je peux mourir en paix. Je ne pars plus seul. Je suis heureux. J'ai revu ton sourire. Vous vivrez, papa, vous allez vivre. Moi, je veux que vous viviez. Entendez-vous? Oui, Cosette, défends-moi de mourir. J'essaierai d'obéir sur cette page. J'ai confessé mon âme, des secrets que tu voulais connaître. C'est l'histoire de celle qui t'a tant aimé et qui t'a confié à moi avant de disparaître. Prends ma main, libérée de sa chaîne, qu'elle te guide vers le bonheur suprême. Dieu tout-puissant, pitié, pitié pour cet homme. Pardonne-moi mes péchés, accueille-moi dans ton royaume. Prends ma main et viens vers ta lumière. Prends l'amour qui brille quand la vie s'éteint. Et garde en toi les mots de ta prière, qui aime son prochain et plus près de Dieu sur la terre. Quand on n'étouffe jamais la voix, et dont le chant venait toujours, et dont le chant venait déjà. Nous voulons que la lumière déchire le masque de la nuit, pour illuminer notre terre et changer la vie. Il viendra le jour glorieux où dans sa marche vers l'idéal, l'homme ira vers le progrès, du mal ou bien du faux au vrai. Le rêve peut mourir, mais on n'enterre jamais l'avenir. Soignez-nous à la croisade de ceux qui croient.
chant renaît déjà. Nous voulons que la lumière déchire le masque de la nuit pour illuminer notre terre et changer la vie. Il viendra le jour glorieux où dans sa marche vers l'idéal l'on ira vers le progrès du mal au bien du faux au vrai. Un rêve de mourir mais on n'en perd jamais l'avenir. Vous savez que c'est notre dernière. On aimerait ça vous garder avec nous 5 petites minutes. Vous avez vu en avant les comédiens, mais vous nous remerciez, vous remerciez le travail, vous nous applaudissez, tout ça. Mais il y a une quantité de personnes incroyables qui travaillent et qu'on aimerait remercier. Ceux qui travaillent dans l'ombre, c'est incroyable la quantité de bénévoles. On aimerait ça, nous, donc, au nom des comédiens, remercier Marie, si tu veux commencer. Alors, mesdames, messieurs, une production d'une telle ampleur, vous devinez, et d'une qualité comme celle-là, demande des milliers d'heures de travail, une disponibilité et une générosité hors du commun de beaucoup de personnes. Une grande dose de passion et d'amour des jeunes, vous l'avez ressenti, je pense. De la musique, du théâtre aussi. Et une grande brassée de gens qui croient en la magie et en la force des grands rêves, parce que Les Misérables, c'était un grand rêve. Permettez-moi tout d'abord, et ce au nom de tous les comédiens, de souligner l'incroyable travail de dizaines d'équipes discrètes, mais tellement efficaces, qui ont fait baigner dans l'huile et les rouages de cette production. Alors j'y vais rapidement. C'est important pour nous de les nommer chaque personne. Alors merci à Gilles Ménard, Jocelyne O'Neill pour toute la billetterie, les réservations, un travail immense. Richard Goyette et son équipe, l'accueil, les hôtes et les hôtesses, les cantines. La sécurité. Un beau merci à Mme Angèle Ledoux, qui est dans la salle ce soir, je pense, pour toute la publicité. Un magnifique merci à M. Daniel O'Neill pour la coordination de tout ça. Mme Diane Gagnon, M. Denis Beaudoin et bien sûr, tous nos commanditaires. Des remerciements spéciaux. Il y a du monde qui travaille depuis longtemps en coulisses avec nous. C'est incroyable. C'est une équipe de bénévoles fantastique.
J'inviterai sur scène toute l'équipe de Régie de scène, donc l'équipe de Normand Bock et d'André Marlot, Marie-Ève Saint-Gelais, Geneviève Roy, Pierre Chouinard, Jean-Michel Sirois, Patrick Champagne, Gérald Bouchard, Vincent Pilon et Patrice Bellil en avant. Bravo! Merci pour le travail incroyable. Merci. Toute l'équipe des décors, s'il y en a parmi vous dans la salle qui ont travaillé dans les décors, donc encore une fois, l'équipe d'André Marlot et de Normand Bock, Daniel Lapointe, Dominique Lequin, Véronique Michelin, Pascal Proto, Valérie Boutillier, Eve Allard, tous les décors, c'est incroyable, c'est fait. Merci encore. Il y a quelqu'un aussi, s'il est dans la salle, j'aimerais ça. Est-ce qu'il est là, monsieur Michel Noiseux, qui a construit la barricade qui est là, la palissade? Est-ce qu'il est là? Merci, monsieur Noiseux. Merci beaucoup. Au son et à la lumière, il y a une équipe incroyable de techniciens. Michel Moreau, régie technique, je ne sais pas trop exactement, mais lui, il dirige le son. Il y a François Buisson, il y a Carl Godreau, et il y a également un élève qui travaille avec nous depuis longtemps, depuis un mois au moins, Hugo François Lévesque Turcotte. Merci Hugo, si tu veux te montrer la boule. Merci Hugo. Merci Michel, merci François. Merci Carl. Et également, on a des coiffeuses, des coiffeurs, des maquilleurs, des maquilleuses, puis même, elles ont pris le rôle d'habilleuses, donc il fallait faire des choses très rapidement. Elles ont été incroyables. Je remercie au nom de tous les comédiens. Donc, on remercie l'équipe de Carole McDonald, de Luc Bazinet et de Jeanne Moisan, Caroline Béliveau, Patricia Jalbert, Mélanie Courtois, Mélanie Pitcham, Cindy Foster. Venez en avant! Cindy Foster, Diane Poulin, Gail Paquet, Kevin Norris, Juliana S., Janine Jouvin, Lise Lapointe, Catherine Labrec, Isabelle Racine, Chantal Lafleur, Nadia Dufresne et Annie Croyer. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au maquillage, Diane Hurlot et Karine Bilodeau. Merci beaucoup. Et Carole. À la publicité, on a eu un superbe programme fait par des élèves. Ils ont travaillé très fort sous la direction de Mademoiselle José Arsenault, qui est assise juste là. J'aimerais ça qu'on l'applaudisse. Merci, José. C'est presque fini. Également, à la photographie, il y a deux personnes qu'on tient à remercier, Jacques Fortier et Isabelle Sirois, qui ont pu capter des souvenirs de la coulisse jusqu'à la scène. Merci beaucoup. Et les productions vidéo, Pierre Clos, M. Paquette et sa famille, merci beaucoup d'avoir pris sur pellicule ces images. Et cinq dernières personnes à remercier. Et cinq personnes spéciales qui ont travaillé incroyablement pour mettre en place ce superbe projet. Vous saviez que ça bougeait dans l'école ici, c'était magnifique. Pour présenter au nom de tous les comédiens ces remerciements, qui de mieux que Gavroche et Cosette?